Les ressources naturelles s'épuisent à un rythme insoutenable. Il est donc temps que nous revoyions l'usage et le gaspillage que nous faisons des dites ressources. N'est-ce pas de ça qu'il est question pour l'ODD 12, M. Agassi? Bien sûr, Mme Sabou. Comment est-il intitulé? L'ODD numéro 12 est intitulé « Consommation et production responsable ». Quelles sont les cibles retenues par notre gouvernement? Le Bénin a retenu globalement 4 cibles. Premièrement, il s'agit de gérer durablement et rationnellement les ressources disponibles. Ensuite, il s'agit de faire en sorte que autant à travers la production des biens qu'à travers la consommation des biens, nous puissions réduire considérablement les déchets. Ensuite, il s'agit de promouvoir les modes de développement durable à travers les passations de marché. Et enfin, il s'agit de diffuser largement les informations et les connaissances de sorte que la population puisse savoir ce qu'est le comportement en lien avec le développement durable. Le Bénin se donne-t-il réellement les moyens pour atteindre cet objectif d'ici à 2030? Votre question est délicate, je l'avoue. Et ça ne concerne pas que le Bénin, mais le monde entier. Mais la seule chose que je voudrais qu'on sache est que lorsque vous regardez en arrière, n'est-ce pas, tel que l'on se comportait hier et que vous regardez aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une évolution quand même sensible. Je prends par exemple l'exemple des pêches et des surpêches. Et vous voyez quand même qu'il y a des campagnes tous azimuts. Il y a des normes et des mesures qui sont prises pour éviter que les pêcheurs donc, dépassent véritablement les bornes. Le Bénin a choisi de faire une large diffusion d'informations et de connaissances de sorte que toutes les populations puissent savoir comment se comporter, n'est-ce pas, pour qu'il y ait véritablement une gestion rationnelle, pour qu'il n'y ait pas compromission donc, des ressources disponibles. Quand vous parlez de passation de marché, nous connaissons comment cela se passe dans nos différents ministères. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait vraiment de la transparence en ce qui concerne ces passations de marché? Oh ben, vous abordez un sujet délicat. C'est, disons, une tâche de longue haleine. Il est vrai que ce n'est pas si évident, mais à force donc de s'y attaquer, on pourra y arriver. Mais j'avoue, ce n'est pas aussi automatique. Merci, Monsieur Odédé. Mesdames, Messieurs, à bientôt.